jeune fille des années 2000, la figure pâle, le corps fragile, attendait le cœur immobile, que dans l'horizon se profile la ligne gracile d'un bonheur tranquille. C'est vrai que les années 2000 ne lui font pas la vie facile, les âmes seules sont en péril, et tous leurs rêves inutiles qui tirent les fils du bonheur tranquille. Un bonheur à elle, elle y pense en rentrant chez elle. Il est tard, elle passe le phare, quand la nuit tombe sur la ville. Un bonheur à bruit, elle pense surtout la nuit. Quand on est seul, on ne résiste pas aux années 2000. Une jeune fille des années 2000, elle sourit au bout des cils, quand elle pense au soleil des îles, devant les dépliants habiles des vendeurs fébriles de bonheur tranquille. C'est vrai que les années 2000 ne lui font pas la vie facile, devant la différence hostile, elle cherche un refuge, un asile, comme l'image fragile d'un bonheur tranquille. Un bonheur à elle, elle y pense en rentrant chez elle. Il est tard, elle presse le pas, quand la nuit tombe sur la ville. Un bonheur à bruit, elle pense surtout la nuit. Quand on est seul, on ne résiste pas aux années 2000. Et la jeune fille des années 2000, figure pâle, le corps fragile, attend le cœur immobile, que dans l'horizon se profile l'ombre, le profil du bonheur tranquille.
Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. De pied, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il serait mort du genre d'honneur, quelle note. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Thank you.
je me retrouve, d'autres fois je me repère. Quand je suis tout croche, cherche un moyen de passer à travers, puis d'y voir clair. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que je me retrouve encore ben en vie. Un gros flash monte dans un coin de ma cage thoracique. Comme un cadeau, un beau grand voyage au Mexique. Puis là, je dis waouh, veux-tu même dire ce que je fais ici? Dire ce que je fais ici. Veux-tu même dire ce que je fais ici? Je t'envoie comme un papillon à une étoile.